Hey, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube UGFPS. Aujourd'hui, petite vidéo. 600, qui aurait dit, il y a quelques mois, quand je galérais pour arriver à 100, que j'allais arriver à 600. Mon but premier, c'était d'arriver à 1000. Je m'étais dit, wow, Hugues, c'est cool. T'as ce qu'il faut, t'as les miniatures, t'as ton style, t'es toi-même, tu fais le con, y a moyen de percer. Puis je me suis rendu compte, j'ai stagné à 500, c'était super difficile pour moi, ça a été ultra long. Il y a même des moments où je me suis dit, j'arrête, je vais arrêter, je vais diminuer, je vais... Bref, on est à 600, on est même à 606 maintenant. Je voudrais tous vous remercier, je vous fais une petite vidéo ici avec quelques petits moments sympas. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à liker, à vous abonner, si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis bye bye. À la prochaine et encore 600 fois merci. Me prête ton nez, arrête. Me prête ton nez, arrête. Voilà. Mais non. Regarde, check. On dirait une cervola, tu vois, la cervola. Tu vois. On dirait une cervola cuite. Bon, en fait, je joue seul, le gars. Je comprends bien, je joue seul. C'est simple. Putain, va te faire, va. Ah, va te foutre, fils de pute. Ta mère, l'alpha. On sécurise Charlie. Non, là, j'en peux. Toutes les zones sont verrouillées. On a l'avantage. Mais non, putain, non. Ennemi à Alpha. Pas possible. Mais vas-y, quoi. Putain, je reviens. Putain de merde. C'est pas possible. Oh. Et ne fais pas le malin contre masque noir. Tu sais bien comment ça se passe. Fort. Hello Fort, comment tu vas Fort? Tiens petit Fort. Knight, t'es où Knight? Viens ici. Knight, petit bonbon. Viens ici. Viens. L'appât du gain. Toujours plus facile quand on a un animal furtif. Aujourd'hui, petite vidéo. C'est pas un unboxing, c'est pas du gaming, c'est pas des délires. C'est une vidéo qui est vraiment personnelle. Certains d'entre vous m'ont demandé ce que représentait le Fort Hugo Production que vous avez vu apparaître petit à petit au début de mes vidéos. Donc Hugo, c'est pas n'importe qui. Hugo, c'est mon fils. Aujourd'hui, il a 3 ans. La particularité, c'est qu'il n'est plus là. Donc voilà. Je croise les doigts, les gars. Hey! Eh, what? C'est bien. Comment ça se passe? Eh, what? C'est bien comment? Allez, vas-y! Ah vas-y, on n'est pas à la foire ici. C'est pas les autostoppeurs. Wow, mes yeux, je vous le répète. Attendez, hein, je suis en train de voir pour les oignons là parce que... Faut pas que ça... Santé, écoutez. Ça chante, quand les oignons ils chantent, c'est bon signe. D'ailleurs j'oubliais, le gros lard, le boubou, le machin, eh ben, il se mange un bon pins. Ah ouais. C'est bien comment ça se passe. So, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube UGFPS. Aujourd'hui, la vidéo des 500. Je dois venir, ouais, ça va mal, ok. Parfait, mais je préfère vous prévenir, elle n'est pas belle à voir et très sincèrement, je pense qu'elle ne tiendra plus très longtemps. Je regrette d'être aussi catégorique, mais en tant qu'informatologue, je me dois okay, de vous okay, dire bah, la vérité. Okay.
M'excuse, j'aurais pas dû te délaisser comme ça. Mais la Strix 11 GB, c'est quand même autre chose. Hugues FPS est en panique à l'hôpital Bill Gates, où le docteur Van Pieperzeel, grand informatocologue, tente de sauver sa PlayStation 4. Le docteur parviendra-t-il à ranimer la console et faire repartir les seekers arrêtés? Hugues pourra-t-il revivre des moments merveilleux avec cette PlayStation 4 qui lui a tant procuré de parties de plaisir? Vous le saurez très prochainement en regardant la suite de PS4 Cœur en péril. Regarde, je veux jouer, je veux faire une game tranquille. Putain. Regarde. Oh. Oh oui, on a bon. Aura gagné. Donc voilà, je vous laisse. Il y a mon vaisseau qui m'attend. On se prépare à l'impact. Donc moi, je me prépare à me barrer parce que ça va. Je sens que ça va pas péter. Déjà en semaine. Je me suis ramassé un astéroïde, oula, pousse là, sur la tête. Je trouve ça un peu décalé, un peu sympatoche. Ouais, monsieur Tomate. Oh la crève. Please, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Une petite pièce pour moi, une petite pièce, s'il vous plaît, toi là, une petite pièce, s'il vous plaît, j'ai faim, s'il vous plaît. S'il vous plaît, petite pièce, s'il vous plaît, mangez pour le bébé, bébé pour manger. Alors, c'est la pop Chevalier Noir. Vous avez dû connaître ça, Fortnite, saison 2. Moi, la saison 2, c'était quand même différent, c'était quand même quelque chose. Donc, le petit message que j'avais à vous dire, c'est que je suis devenu affilié Guenard. Ça veut dire quoi ? Dans la description, vous allez avoir un code. Vous notez ce code et alors vous avez un pourcentage sur votre achat de votre paire de lunettes. Je lance une grenade à dispersion. Bah bien sûr. Il m'a eu comment lui ? Ouais, toujours avec ses doubles flingues, hein. Et moi, il me faut ses doubles flingues. La vérité, il me faut les doubles flingues. La vérité, il me faut les doubles flingues. La vérité, c'est cheaté, un point c'est tout. La vérité, on s'en fout. Je vous dis à la prochaine. Wow, petit requin. C'est un requin, ça. Petit requin comme ça. Je vous dis à la prochaine. C'est combien de degrés ici? C'est 30 degrés. Ça m'a vraiment fait plaisir. Pour une fois que je profite des soldes, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, je vais vous faire un gros plan à la caméra. Je vous dis bye bye, j'espère que ça vous a plu. C'est une fois autre chose que le gaming, mais ça fait partie de mes passions. Je vais intégrer ça dans ma chaîne. On va faire de la pub, scuff. Meilleure manette au monde. Ici, voilà. C'est un aspect un peu... c'est décoratif et en même temps, c'est quand même très pratique.